Alors qu'en France, une loi est actuellement à l'étude pour interdire le port de la burqa, chez nous aussi, le port du voile fait débat, en particulier chez nos parlementaires. Pour le député et maire Denis Ducarme, pas question de siéger voilé. Il compte introduire une proposition de loi en ce sens. Nadia Bourria, Sébastien Dubourg. Faut-il ou non autoriser le voile dans les hémicycles, lieu symbolique où les élus représentent l'ensemble de la nation? Le député Denis Ducarme veut ouvrir le débat. L'idée, en tout cas, à la Chambre, est d'ouvrir le débat sur le port par des élus de signes religieux ostentatoires. Nous allons, dans le cadre de la commission de révision du règlement de la Chambre, discuter de ce que nous voulons par rapport à ce qui doit être et demeurer la neutralité de l'État au sein de cet hémicycle. Cette proposition vise clairement Maïnour Özdemir, 26 ans, la première députée voilée élue sur la liste CDH pour le Parlement bruxellois. Très populaire dans sa commune, cette Scarbécoise siège déjà voilée au conseil communal depuis 3 ans. Elle est élue aujourd'hui. Elle a la légitimité pour siéger au Parlement. Donc au niveau des règles de l'élection, tout est en ordre. Maintenant, les parlements doivent réfléchir à un certain nombre de règles d'organisation en leur sein par rapport à ces problèmes d'actualité qui concernent tous les cultes, toutes les religions, pas uniquement l'islam. Nous avons joint Maïnour Özdemir. Elle n'a pas souhaité réagir, tout comme son parti, le CDH. Au sein du Parlement bruxellois, c'est le MR Philippe Pivin qui devrait ouvrir le débat sur le port du voile par les élus.